On y va. Bonjour, ça va? Mais comme vous le savez, évidemment, en Afrique, on a toujours besoin d'argent, toujours besoin de cash. On va retirer quelques dollars. Donc là, c'est les francs congolais. Ici, c'est les dollars américains. Tout se passe en cash. En tout cas, pour la plupart de pays, on avait besoin de retirer un peu d'argent. Et arrivé, vous savez, en République démocratique du Congo, vous verrez très souvent des distributeurs jumelés. Donc il y a distributeurs de monnaie en francs congolais et distributeurs de monnaie en dollars. Parce qu'il y a des gens qui dealent principalement en francs congolais et d'autres qui dealent principalement en dollars. Le pays de Lumumba, de Fally Ipupa, de dollars. Nazana dollar. C'est marrant comme chanson, mais c'est génial. Voilà, nous avions vraiment envie de se faire du bien. Il fallait s'amuser, il fallait vibrer, vous savez, malgré ce qui se passe dans le monde, quoi. On est parti, on est sorti, vous savez, quelquefois dans la vie. Il ne s'agit pas seulement de planifier ce qu'on va faire de la journée. Deux fois, je sors, je vais, je ne sais pas où, je vais me faire du bien. Et en partant, on découvre ce qu'on a vraiment envie de faire. C'est comme ça, la vie. Il ne faut pas toujours tout planifier. À ma sortie, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas regarder à droite? Il y avait un petit marché d'art, on vendait des arts. Je me suis dit, bon, je vais jeter un coup d'œil. Peut-être que je trouverai un truc intéressant pour acheter à des gens proches, à des gens chers. Je suis donc allé pour jeter un coup d'œil. Et arrivé au marché, pendant que je regardais, je voulais parler à la personne qui vendait. Je voulais un peu avoir de son expérience. Comment ça se passe, vous savez, c'est pas très facile. Mais malheureusement, j'ai été confronté à une personne très forte. Elle dit, je sais comment ça se passe, vous me payez d'abord avant de me parler. Je lui ai dit, non frère, parlons, discutons, je comprends tout à fait. On va te faire un petit cadeau. Mais on va acheter et puis on te fera un petit cadeau. Non, donnez-moi l'argent. J'ai dit, l'attitude n'est pas très bonne, d'accord? On peut parler un peu différemment. Ah, le monsieur était brutal. Non, vous me donnez l'argent. Et ça, j'ai pas beaucoup aimé. J'ai pas aimé du tout. C'est bien de chercher de l'argent, mais il faut avoir des manières. Il faut savoir comment s'adresser à la clientèle. Il suffit pas d'avoir un business. C'est aussi une question de correspondance, de gentillesse, de sympathie à l'égard de la clientèle. On n'a pas aimé ça, on est parti. On est parti ailleurs. Quelques pas plus tard, on a trouvé une table où il y avait des jeunes hommes qui vendaient aussi des objets d'art, mais des gens très gentils, en contraste, très sympathiques. Ils m'ont accueilli. Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que tu cherches? Bah, j'étais ébloui. Et pendant que je regardais ce qu'ils avaient à offrir, j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas vraiment ce que je cherchais. Mais leur gentillesse, leur sympathie, leur douceur, en tout cas leur chaleur, m'ont influencé à acheter quelque chose pour les aider à avancer. Donc le monsieur était là, il me proposait des trucs et moi je voyais rien. Quand soudainement, voilà, il y avait un cher monsieur derrière qui voulait dire bonjour. Des fois, quelquefois, on a simplement être à l'abri des selfies, mais bon, c'est une vie qu'on a choisie, je suppose. Il faut être gentil, il faut être sympathique. Voilà, un cher monsieur gentil et sympathique voulait une photo. On a fait la prise, une photo, pendant qu'on essayait d'acheter nos histoires. Donc, après avoir acheté l'outillage de ce monsieur qu'on avait beaucoup aimé, très gentiment, il me dit, j'ai quelque chose à t'offrir. Donc, en plus de ce qu'on avait déjà acheté, il m'a offert un cadeau, ces objets d'art, pour gratitude. Et ça m'a tellement touché. Cette chaleur, cette gentillesse, exceptionnelle. Vive l'Afrique. Vive la RDC. Je vous vois venir. Du coup, il y avait des jeunes artistes qui m'avaient reconnu. En tout cas, c'était évident. Ils m'ont reconnu depuis le sport, depuis la boxe et le kickboxing. Ils criaient mon nom, enfin, criaient Muyomba, Muyomba pour dire oncle en swahili. Donc, dans le contexte en RDC, quand on appelle Muyomba aussi à Kinshasa, c'est une façon respectueuse de reconnaître la présence d'une personne masculine. Donc, entre kite, quoi, c'est-à-dire entre. C'est un argot, ce n'est pas officiel, ce n'est pas dans la langue officielle, mais c'est une façon de reconnaître une personne forte. Et voilà, ça fait du bien d'être aimé.
Je ne sais pas si vous avez déjà été aimé. Ouais. Et voilà, avec ce boost merveilleux d'énergie et de gentillesse venant des gens qu'on ne connaît pas, ouais, on était parti. Il fallait partir. On s'est dit, bon, on va où? On va chercher. Par surprise, on allait trouver certainement un endroit génial où passer du bon temps. On était en route. Encore une fois, on est coincé dans les embouteillages. C'est le même cauchemar, toujours et toujours et toujours. Incroyable. Des fois, je me demande pourquoi on voit des villas sortir de terre ici et là. Des buildings, des immeubles. Mais pourquoi il n'y a pas des routes? Bon, c'est vrai, ça vient, mais c'est... Comparé à la circulation, nombre de voitures et aux villas qu'on voit, c'est quand même inquiétant. N'est-ce pas? Et ne me dites pas qu'il faut du temps pour attendre, parce qu'il faut généralement pas du temps pour voir un ministre ou un politicien sortir de terre des villas et des immeubles. On veut le même engouement. Voilà. Je pense qu'on avance un peu. Donc c'est ça, le combat de chaque jour de nos frères africains. Chacun se bat chaque jour. Arrivé en route, ce qui m'a marqué le plus, c'est la population. Il y a tellement de gens à Kinshasa. Kinshasa compte plus de 14 millions d'habitants. 14 millions, ça c'est énorme. C'est beaucoup d'humains, ça. Et avec ce qui se passe dans le monde, vous savez de quoi je parle, pour ne pas dire exactement ce que c'est. Épargner 14 millions, c'est pas facile, n'est-ce pas? Donc s'il y avait certainement quelque chose d'atroce, de terrible, d'horrible, qui emportait les vies des gens, ce serait évident, non? Parmi 14 millions d'humains qui s'entrelacent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le nombre de motards sur place est énorme. Les motards sont partout, partout, partout. Et je pense que plusieurs gouvernements, africains d'ailleurs, doivent fournir énormément d'efforts à créer des routes appropriées, des plus grandes routes, parce que les embouteillages, c'est pas du tout génial. Autant nous pouvons apprécier le peu de travail qui se fait, je pense qu'il est essentiel de pouvoir donner beaucoup plus d'importance à ces travaux de route, de construction de route, pour permettre à ce que les gens puissent bouger correctement sans difficulté. On aurait pu faire ça plus tôt, mais bon. Là, notre chauffeur décide de nous arrêter pour faire le plein. Ah, génial, un moment de se relaxer un peu, il fait trop chaud. Et comme on allait très loin dans les périphéries de Kinshasa, donc en dehors de Kinshasa, on avait besoin de carburant. Voilà, vous savez comment l'Afrique prépare ces choses. Le chauffeur n'avait malheureusement pas préparé la journée en faisant le plein. Il fallait s'arrêter pour recharger, pour remplir, pour faire du renflouage de carburant. On a fait un petit stop, c'était génial. Il faisait tellement chaud qu'on en a profité pour acheter un petit truc à boire. On a aussi remarqué qu'à Kinshasa, comme dans plusieurs endroits en Afrique, il y a beaucoup de motos. Et avec des difficultés auxquelles sont confrontées la population, les conducteurs, c'est évident, pour faire vite, pour arriver vite à destination, on prend une moto, on entrepasse tout le monde et on arrive. À Kinshasa, les gens se débrouillent différemment. La vie n'est pas toujours facile, vous savez, il faudrait trouver des moyens adaptés pour survivre. L'intelligence, c'est pas seulement avoir un diplôme, l'intelligence, c'est aussi savoir comment générer, de quoi subvenir à ce besoin. Donc j'ai rencontré un jeune homme courageux, travailleur photographe dans les rues, qui cherchait soi-même comment avoir des clients et se faire de l'argent. Et c'était génial de discuter avec lui. Et pendant qu'on rentrait dans la voiture, pour continuer notre voyage, entre parenthèses, la voiture était en panne, on a remarqué. Il faisait tellement chaud à Kinshasa ce jour-là, plus de 36 degrés Celsius, je crois. La voiture avait chauffé, donc
L'intrigue, on savait pas quoi faire, on s'inquiétait. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On part ou on rentre? Donc voilà, juste au moment où on se disait, bon, ok, c'est bon, peut-être qu'on va rentrer, la voiture est en panne. Et enfin, la voiture s'est allumée. Génial, notre périple était toujours vivant. On s'est donc embarqué, on est rentré dans la voiture, et nous voilà. Directeur, Kinshasa a combien de millions d'habitants? Kinshasa a au moins plus de 14 300 habitants. 14 millions d'habitants à Kinshasa. Ça, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est énorme. Et on a l'impression que tout le monde va vers la ville. Donc toute la population ou la grande majorité de la population est vers et on crée vers la ville, vers l'autre côté de Kinshasa. Oui, parce et ici, c'est vide. C'est vide, c'est normal parce que tout est basé vers le centre-ville. L'administration, ouais. Le gouvernement. Tout à fait. Même le grand marché, le centre commercial. Et ça explique la raison pour laquelle il y a tellement d'embouteillages partant de l'autre côté. De l'autre côté, oui, c'est ça. Et pour résoudre cela, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour désengorger un peu la ville? Ah, on doit créer alors des espaces ici. Nous devons construire de grands supermarchés. Des supermarchés, oui. On peut aussi délocaliser même le ministère. Hein. Délocaliser les ministères, donc créer des ministères ici, de l'autre côté. Donc passant l'aéroport, créer des ministères. Pour permettre à ce que les gens se focalisent ou restent sur place, ouais, au lieu de toujours bouger. Stades, oui. Des stades de football. De football. Il y a tout à fait. On a encore de l'espace de ce côté de Kinkole ici. Donc, en général, le Congo est vide, mais tout le monde est basé à Kinshasa, ou la grande majorité. Voilà. Kinshasa est énorme, donc c'est con. Oui. C'est dans une partie que la ville a occupée. Ok. La ville a occupée. Donc, tout le monde se focalise dans un endroit et chacun cherche une partie pour pouvoir construire un petit truc de 10 mètres dans oui. un, pendant oui. qu'il y a tellement de l'espace. Tu t'es dit, c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est basé de quoi. Nous, à Kinshasa, nous réfléchissons. Incroyable. Nous étions dans les faubourgs de Kinshasa, c'est-à-dire en dehors de Kinshasa. Mais le paysage, mon cher, c'était incroyable. Palpitant, saisissant, pimpant, déstabilisant. Admirez-moi ce paysage. Et puis vous me dites qu'il faut aller en Europe ou aux États-Unis. Attendez, ça va pas la tête ou quoi? Écoutez, on a tout ce qu'il faut chez nous en Afrique. Mais je sais pas pourquoi les gens veulent partir. C'est incroyable, ça me dépasse. Mais encore une fois, comme vous vous y attendez, la jeune dame qui travaillait là m'avait reconnu et elle voulait une photo. Et voilà, on était arrivé en dehors de Kinshasa, en tout cas assez loin, au parc de la vallée de l'Ansele. Un lieu très intéressant qu'il fallait découvrir encore une fois. Donc arrivé à ce lieu, il fallait d'abord parquer sa voiture, ensuite prendre le bus officiel pour rentrer dans le parc. Donc on n'est pas autorisé d'aller avec sa voiture personnelle. Il faut parquer sa voiture, prendre le bus officiel pour rentrer dans le parc. Et bien évidemment, les normes d'embarcation étaient très strictes. Il fallait porter son masque ou son cache-nez, pardon. Et mesurer 1m80 au moins. Non, je plaisante. Il fallait porter son masque pour rentrer. Et il y avait une machine qui scannait ton visage. Je sais pas, une machine venue de la Chine ou un truc comme ça. J'espère que c'est pas ça. Une machine pour identifier le visage, évidemment, pour scanner le visage. Prochainement, on pourra t'identifier de loin. Enfin, bref, il fallait respecter les normes. Dans le bus, le paysage était génial. Le paradis sur terre, incroyable. La forêt à gauche, la forêt à droite et une route bien ponifiée au milieu. C'était merveilleux. Mais intriguant comme parcours. 30 ou à 40 minutes, je crois. 40 minutes de déplacement dans le bus pour arriver à destination. C'est au milieu de nulle part. Franchement, cet endroit, je me disais, si on te balance là tout seul, à 18h, je ne sais pas si tu auras la chance de sortir. Tu vas complètement te perdre.
mais incroyable comme vue, palpitant, fort, merveilleux comme expérience. Nous sommes là, à la parc de l'Ancelé. C'est beau, élégant, c'est naturel. La nature, on adore ça. Kinshasa, enfin, les périphéries de Kinshasa, dans le faubourg de Kinshasa. Donc voilà, on a... Oui ? C'est moi ? Ça va ? Enchanté. Comment allez-vous ? Ah, je vais très bien. Toujours un plaisir. Il se peut prendre des photos ? Oui, avec plaisir. Donc voilà, Kinshasa, c'est l'amitié, c'est la fraternité. Ah, merci beaucoup. Merci, Fanny. Merci. Enchanté. Sur YouTube, monsieur. Un réel plaisir. Ah, d'accord. Vous travaillez ici ou vous êtes là pour vous ? Je suis visite. Ah, visite, d'accord. Pour moi, j'ai manqué le mot, monsieur. Oh. Merci beaucoup. Bon courage. Bonjour madame, on va se masquer, ensuite on va se démasquer avant de manger. Comme d'accord. Quand vous sillonnez, vous pouvez toujours avoir votre masque. Oui. Mais dès que vous allez vous mettre à manger, aussi vous enlevez, mais dès que le virus, le virus est endormi quand on mange. Non, non, nous sommes dans un lieu public, il ne faut pas ignorer que la maladie existe. Oui, tout à fait. Comme tout le monde est démasqué là avant. Hmm? Sont quand on est debout, le virus, là, le virus là, est actif. Ils vont mais quand on est debout, le virus est actif. Bonjour, bonjour frère, comment ça va ? C'est vous ? C'est moi, mon frère. Oh, mais... Ça va ? Je dois prendre une photo avec vous ? Oui, évidemment, avec plaisir. T'es sérieux ? Oh. C'est un grand monsieur, vous ne les connaissez pas en fait. Vous les là. Enfants d'aujourd'hui, vous. There you go. Bonjour, grande dame. Ah ben je suis très ravi. Hein. Merci frère. Je suis votre follower de merci. Tous les jours en tout cas. C'est un grand plaisir. Merci pour tout. Merci grand, grand plaisir. Bonjour, comment allez-vous, ça va ? Bonjour à tous, vous allez bien ? Grand plaisir. Je vous aime aussi beaucoup maman. Ah. Je vous aime aussi maman. Donc on s'est votre droit au cœur. Merci maman, merci, ça fait vraiment plaisir. Ça va ? C'est mon fils, c'est ça, mes fils, tous vous suivons vraiment. Ça va ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bonjour papa. Maman, il faut goûter. C'est bien, maman, goûter. J'apprécie tous mes admirateurs. Ils me sont précieux. Mais cette maman était particulière. Je ne la connaissais pas. Mais sa façon de m'approcher m'a beaucoup touché. Et j'ai réalisé combien j'avais de l'influence dans la vie de beaucoup de personnes. Enfin, je l'avais toujours su, mais pas à ce point-là. C'est une maman. Et elle m'a dit, l'influence que tu as sur mes enfants, c'est... Il n'y a rien de plus fort. Merveilleux. Juste au moment où on était là assis, en train de se préparer sur comment commander notre bouffe, ouais, deux gars là qui viennent parler. Hein. Vous savez, j'aime beaucoup mes admirateurs, mais quand il faut manger, il faut manger. Voilà. Mais bon, gentiment, de manière plus sérieuse, il y avait deux gars, deux jeunes hommes. Hein, deux jeunes hommes. L'un avait 16 ans, l'autre 14 ans. 16 ans ? Waouh ! Il a encore 16 ans. Et vous ? L'un avait 16 ans, l'autre 14 ans. Ils sont venus me parler. L'un était très ambitieux. En tout cas, les deux étaient très ambitieux. L'un désirait devenir je ne sais plus quoi. Et l'autre voulait devenir président de la République.
énorme, quoi. On a discuté un peu. Toujours cette influence que j'ai sur la jeunesse. Pour avoir toutes ces connaissances, comment vous faites pour partager tout ça? Pour avoir une telle sagesse? D'abord, 16 ans, c'est l'âge de... c'est un réel plaisir de pouvoir répondre à ta question. Peux te tutoyer? C'est pas un problème. D'accord. La vie, comme je le dis très souvent, est une combinaison d'expériences. Quand on est jeune, on aspire à faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Oui. On veut devenir quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Avocat. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Diriger le Congo. Diriger le Congo, oui. Comme président de la République. Oui. D'accord, très ambitieux, mais génial. Pour devenir avocat, il faudrait passer à travers beaucoup de choses. Hein, beaucoup d'expériences, beaucoup de situations qui vont t'adapter à devenir avocat. Il y a deux façons d'aboutir à son objectif dans la vie. Je vous donne un exemple. Prenons deux footballeurs, ok? Vous prenez deux footballeurs talentueux. Le premier s'entraîne tout seul. Ils veulent être engagés, par exemple, recrutés par Real Madrid. Le premier s'entraîne tout seul. Le second trouve quelqu'un qui a déjà été à Real Madrid pour l'aider à se développer, à tirer correctement, à passer correctement, à avoir l'aptitude et les capacités qu'il faut. Qui pourra aboutir à ses objectifs plus vite? Celui qui est au Real. Celui qui travaille avec le monsieur de Real. C'est-à-dire, quelquefois dans la vie, on a besoin d'une personne expérimentée, ou d'un coach, ou d'un expert en quelque chose pour aboutir plus rapidement à ses objectifs. J'ai eu la chance de passer à travers beaucoup de challenges dans la vie. À 20 ans, j'avais quitté mes parents. 20 ans, ça veut dire 4 ans de plus que toi. Donc 6 ans, c'est pas très loin. À 20 ans, je vivais déjà seul. Et j'ai commencé à me battre tout seul, à chercher comment me faire une vie. Ça, pardon, ça représente la République démocratique du Congo. Ou, bon, particulièrement Kinshasa. Quand on dit, excusez-moi, quand les gens reviennent à Kinshasa, ils veulent prendre une bouteille de cette histoire. Mais ce n'est pas la pub. Hein. Ah, ce n'est pas la publicité, hein, excusez-moi. Hein, on n'est pas de... Ok, j'ai passé des nuits blanches dehors. J'ai vécu... Dans des difficultés. Je dormais par terre. Pendant l'hiver, on mettait la couverture par terre, moi et mon ami Robert, et on se couvrait la même couverture. D'accord? À travers beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions, bonsoir, ça va? Beaucoup de bénédictions venant du Créateur, puisque je suis croyant, et aussi beaucoup de travail personnel, j'ai pu changer complètement ma vie. J'ai pu aboutir à beaucoup de choses, créer beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne peux pas me plaindre. Alors, quelle serait la meilleure contribution pour moi, à part donner ce que j'ai comme expérience à ces jeunes qui aspirent à la grandeur, ces jeunes qui veulent aboutir à quelque chose. Donc, parler aux gens, pour moi, est une façon de payer mon loyer sur Terre. Parce que chaque humain paye son loyer sur Terre, qu'on le veuille ou pas. Il faut payer son loyer d'une façon ou d'une autre. Quand on réussit dans la vie, on ne réussit pas seulement pour soi-même. Okay? La réussite ne signifie rien si on ne donne rien à celui qui n'en a pas. Si on n'apporte rien de positif à une personne qui n'a rien. D'accord? Ça ne sert à rien d'avoir des millions si devant toi, il y a des gens qui souffrent et tu ne leur donnes rien. Il faudrait changer, toucher quelque chose, bousculer quelque chose quelque part. Alors là, ça signifie quelque chose. Et pour moi, contribuer en parlant aux jeunes qui certainement se trouvent dans les situations que j'ai traversées dans la vie, est une façon d'apporter un plus, une façon de contribuer, une façon de payer mon loyer sur Terre. J'espère que j'ai répondu à ta question. Enfin, notre bouffe était là. C'était génial parce que c'était très rapide. Hein. Ça n'a pas traîné. Moi, j'aime pas que ça rigole avec ma bouffe. Vous savez, quelqu'un me disait plus jeune, il faut épouser quelqu'un qui vous donne le même sentiment que vous avez quand votre bouffe arrive dans le restaurant.
Vous voyez un peu. Donc, quand vous êtes assis dans le resto, après avoir commandé, vous savez le sentiment que vous avez quand vous voyez la serveuse emmener votre bouffe. Hein, c'est le même sentiment qu'il faut avoir vis-à-vis de la personne qu'il faut épouser. Donc, voilà. Bref, ma bouffe était là. La nourriture était là. J'avais commandé une nourriture particulière et c'était... Les aliments sont généralement africains, hein. Enfin, c'est similaire, je suis certain que vous vous retrouvez un peu. Ça, c'est le foufou, donc condensé de maïs avec eau, vous savez ce que c'est, ce que ça donne, la pâte. Ça, c'est le foumoi, c'est une bouffe locale, très appréciée par certains groupes de personnes. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français, je savais il y a quelque temps, enfin bref, vous savez, quand il y a des parties de cerveau que vous n'utilisez plus, vous oubliez. C'est génial, souvent cuisiné avec de la pâte d'arachide. Donc légumes, pâte d'arachide et tomates et tout le bazar. Enfin bref, je ne sais même plus exactement, mais c'est succulent. Ça, c'est les makayabu. Le makayabu en lingala, en swahili makayabu. C'est du poisson salé. Magnifique. Superbe combinaison. Ça, c'est la chikwang. Donc tige de... Comment vous appelez ? Tige de manioc, je crois. C'est comme ça qu'on appelle ça au Cameroun. Et ailleurs, Kwanga, en lingala et en swahili. Moi, je suis très excité. Je ne peux malheureusement pas me retenir. Bon appétit. Ma bouffe à peine arrivée. Et voilà, il y avait un groupe de personnes qui voulaient prendre des photos. Je ne sais pas comment les gens pensent. Il faut arrêter ça, les amis. Quand je suis en train de manger, il faut me laisser. Hein? Oh. Faut me laisser manger, s'il vous plaît. Bon, comme il fallait être gentil, il faut toujours être gentil. Même quand on vient vous empêcher de manger votre bouffe en paix, je suis quand même allé prendre des photos. Bon, il faut avouer que la fille était charmante aussi. Donc, c'était pas aussi gênant que ça, finalement. On a pris les photos. Donc moi, en bon africain, je mange avec mes mains. Comme mon père. Le piment. Bon appétit. Merci. Ah, je mange avec les mains. Vous mangez comme les blancs. Moi, je mange comme les noirs. Oh là 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 là. Il y avait encore des gens qui voulaient des photos. Pendant que je mangeais, tu imagines? Pendant que je mangeais! Hein? Oh. Mais bon, c'était des jeunes filles, jolies, charmantes. Il fallait sourire. Donc ça passe. Mais si c'est toi un homme qui vient, de toute façon je vais te rosser, tu vas rentrer chez toi en plein. Et des makayabu, mon cher, la bouffe était goûteuse, succulente, savoureuse, incroyable, j'en perdais mes yeux. Vous savez, juste au moment là, hein, au paroxysme de l'excellence culinaire buccale, une arête s'est placée juste à ma gorge. J'avais une de ces peurs froides. Je ne savais pas comment réagir. Il y avait des gens qui étaient là. Imaginez-vous un peu. Vous venez à peine de rencontrer Zach Mukasa dans un coin, dans un resto, en train de bouffer. Puis il y a une arête qui se loge, reste coincée dans sa gorge. Hein? Quel choc! S'il fallait appeler les urgences, les infirmiers ou les médecins pour m'enlever l'arête de la gorge. Quelle honte! Ben, je suis resté là pendant un temps.
Mais heureusement, il fallait donc chercher un moyen qui fonctionne. Ma mère m'a parlé il y a très longtemps du foufou. Donc si une arête reste coincée dans ta gorge, tu prends un gros foufou, tu l'avales et ça passe rapidement. J'ai donc essayé. J'ai pris le gros foufou là, j'ai balancé dans la bouche et c'est passé. La paix totale. On pouvait ainsi continuer à manger, à déguster cette combinaison de foufou, de foumboi et des macayabou. Incroyable. C'est le coach, on sait qui. Merci beaucoup. On vous suit de très près. Pour vous édifier. Mais dans tout ça, l'amour qu'on reçoit de ses admirateurs est plus fort que tout. C'est la récompense ultime qu'on a de tout ce travail, énorme combat. Ça fait du bien de se sentir aimé. Ça nous encourage à continuer. Des jeunes, des vieux, des enfants, tribus confondues, c'est incroyable. Et le plus important, c'est que tu es un frère des fesses. C'est du nouveau en RDC. Merci. Enfin, on a passé une journée extraordinaire. D'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qu'on a rencontrées ce jour-là. Merci infiniment pour votre amour. Et comme je le disais précédemment d'ailleurs, quelquefois on sort sans vraiment avoir des objectifs précis. Mais on va, on laisse la vie nous guider. Et très souvent, la résolution est meilleure qu'on le croyait. On a passé une excellente journée, superbe expérience. Kinshasa. En fatigue. Thank you.
souvent des éléments pareils, des choses réelles, vivre les réalités de quelques villes africaines, pourquoi pas. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un tour total de l'Afrique, en tout cas commençons par l'Afrique francophone. Peut-être ça sera chez vous, à la prochaine occasion, votre pays, votre ville. Venez nous voir, n'ayez pas honte, écrivez, faites un commentaire. On pourrait se voir et discuter et créer quelque chose de magique ensemble. Laissez un commentaire, faites-nous savoir si vous aimez ce genre de vidéo ou ce que vous désirez que nous fassions. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mwikasa, le guerrier noir, votre frère.